Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour les numéros 99 et 100 de cette Indian Springfield. Alors, c'est vrai que cette vidéo a tardé à sortir puisque, comme j'avais annoncé sur la dernière vidéo, j'avais un petit projet pour cette conclusion de cette superbe collection. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, bon, bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, j'ai bon espoir quand même de faire quelque chose pour une future vidéo sur cette collection. Donc, numéro 99, on est parti sur la selle du pilote. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Et puis avec le résultat final. Et ensuite, numéro 100, donc dernier numéro de cette collection. La selle du passager. Donc on va venir finaliser donc cette collection. Et ouais, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais bon, on verra ça en fin de vidéo. Alors, donc, notre pas à pas que voici. Et puis, bah, bien sûr, hein, forcément, on va venir mettre cette selle eh bien, sur notre modèle. Petite chose aussi, on va venir rehausser ce support de cette moto. Parce que c'est vrai qu'il est un peu trop bas. Donc là, je pense qu'avec ces petites cales là, ça va être nickel. On va venir mettre le pare-brise. Et puis, bah, voilà, cette fois-ci, résultat final de cette collection. Allez, on est parti pour ces montages. Donc, voici nos pièces. Alors, on a un caoutchouc similé cuir qui rend vraiment très très bien. Ouais, franchement, bon, bah, du début à la fin, hein, sur cette collection, ça a été vraiment, vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, la partie du dessous de cette selle, et puis la petite mousse, et puis qu'est-ce que nous avons? Des vis. Alors, c'est des vis AP et puis des vis BP et deux petites pattes. Allez, on est parti. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce A. Si j'arrive à l'attraper, on va venir prendre notre pièce B qui est la mousse. Bizarre, elle n'a pas la même, forme. Bon. Alors, mais rien n'a la même forme en fait. Alors, on est censé mettre notre mousse comme ceci à l'intérieur. Quelque chose qui me perturbe là. Voilà. Ensuite, on récupère notre pièce C et on va venir la glisser tout simplement comme ceci. Voilà, la mousse va pas tenir et les petites languettes de la pièce A, on les fait passer par-dessus, voilà, afin de venir en contact de notre pièce C. Hop, donc les languettes de la pièce A vont venir, hop, comme ceci, sur la pièce C, voilà. Et puis, bah, tout simplement, hein,
on va venir, hop, celle-là, elle ne veut pas, voilà, elle se met en place. On va venir mettre 3 vis ici et 3 vis ici, dont... Tiens, c'est bizarre, ils n'en parlent pas. Si. Donc, en tout, on va venir mettre 7 vis BP tout autour. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer une pièce D que voici. Et on va venir, donc, juste ici, la positionner. Donc, comme ceci. Alors, le petit décrochement qu'il y a sur la pièce D va vers l'intérieur. Donc, on vient juste la poser comme ceci. Et... Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir, parce que, ouais, hop, voilà. Donc, ici et ici, on les fixe avec des vis AP. Donc, voici qui est fait. Et puis, bien sûr, étape 6, on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc déjà ce numéro 99 avec une très belle selle. Franchement, elle est magnifique. Allez, on va passer au numéro 100. Donc numéro 100, bah, la selle côté passager, enfin la selle passager, on va dire tout simplement, hein. Donc toujours la même matière. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça va venir sur le côté. Ah ouais, c'est peut-être ouais sur l'arrière là. Ça va venir comme ça. Bon, on va voir ça au cours de la vidéo. Allez, on est parti, on va prendre notre pièce C, que voici, notre pièce B. Donc, pareil, on va venir mettre cette petite mousse dans le fond. Sur l'étape 2, on vient prendre hop, notre pièce B et tout simplement, on va venir... la mettre à l'intérieur comme ceci. Voilà, on fait passer les languettes par dessus. Voilà, là ça va être un peu plus dur à la faire passer. Non, regardez, hop, voilà qui est fait. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, hein, on va venir mettre 5 vis BP donc sur chaque languette. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer notre pièce D que voici. Alors de chaque côté, on a un trou. Donc il s'agit tout simplement de venir, hop, donc positionner comme ceci, donc avec le côté vous avez un côté brut on va dire et un côté un peu sculpté. Donc le côté sculpté doit venir se trouver au-dessus comme ceci. Alors à l'intérieur, on a trois tubes, deux tubes qui sont légèrement l'un à côté de l'autre et un qui est légèrement très légèrement décalé. Donc le bout va venir sur le dernier tube en fait. Donc on place le trou face à face comme ceci et on le fait tenir avec une vis BP. Donc hop, ça fait le tour et on revient de l'autre côté et on fait pareil. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, il faut venir prendre les pièces E. Si j'arrive à les avoir. Voilà, les pièces E, ce sont les deux petites plaques noires. Et alors, elles viennent... Ah, mais décidément, j'ai ma languette qui me gêne là. Voilà. Donc elles viennent juste ici sur donc les deux fameux tubes de chaque côté. Alors hop, est-ce que je vais arriver? Ben, je vais la placer ici pour vous montrer. Donc
comme ceci et on les fait tenir avec des vis AP. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir à l'arrière ici récupérer notre plaque F. Donc d'un côté on a deux trous, de l'autre on a une espèce d'encoche. Donc on va venir placer les deux trous à l'arrière comme ceci. Et puis pareil, on va venir mettre deux vis AP. Donc voici qui est fait. Ensuite, sur l'étape 9, et ben tout simplement on va venir réunir ces deux parties de selle. Voilà. Et donc les deux pattes ici vont venir se fixer avec des vis AP. Alors, donc voici qui est fait. Il faut bien appuyer sur les deux parties afin que les trous correspondent. Hein. J'ai un peu galéré, je vous le dirai franchement. Mais bon, voilà, ça se fait. Alors, je ne vais pas suivre l'ordre du pas à pas. Ouais, je ne vais pas le suivre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste positionner donc ces quatre petites cales donc en dessous de notre support, puisque ensuite il faut venir récupérer donc notre maquette et elle est censée poser dessus. Donc, comme ça c'est pas vraiment stable, je préfère directement passer là dessus donc maintenant. Donc là, effectivement, avec les petites cales en dessous du support, elle tient vraiment beaucoup mieux. Alors, l'étape suivante, donc, quand on suit le pas à pas, alors, il s'agit, eh ben, tout simplement, de venir positionner, donc, cette selle, voilà, qui vient se mettre en place vraiment nickel, franchement ouais c'est vraiment nickel et regardez l'effet que ça fait, c'est vraiment top. Ah ouais franchement vraiment top. Alors à l'arrière, hop, je vais déplacer ça comme ça, voilà. Donc ici à l'arrière on a notre petite patte. On va venir récupérer une vis AP, mais alors une vis AP argentée. Et on va venir donc fixer cette patte sur le garde-boue. Et donc voilà qui est fait et qui finit donc cette superbe collection. Donc je vais venir remettre donc le pare-brise en place. Voilà, bon, juste comme ça. Alors, il vient s'emboîter. Ah oui, voilà. Donc, on a deux petites pattes donc amovibles de chaque côté. On vient faire glisser tout simplement dans la gorge. Voilà, qui est prévu. Et puis, hop, on vient verrouillé avec et ben les deux petites pattes. Alors elle est où la deuxième? Là, voilà qui est fait. Alors hop, je vais décrocher voilà du support. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Bon, j'ai les deux petits Indians à venir remettre sur le réservoir. Mais bon, voilà. Quoi dire? Franchement, non, vraiment pas déçu de cette collection. Allez, je remets le téléphone. Voilà, hop. Alors, pas évident de trouver le bon angle avec mon matériel pour vous le montrer dans son intégralité. Ici je vais, oui, parce que j'avais un petit projet
de décalco à venir mettre dessus, mais mon ami Benoît avait bien trouvé, mais j'ai malheureusement perdu le site. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein. J'arriverai à le retrouver. Alors, hop, je sais plus comment ça allait, ça. Ça venait. Bon, mais je ferai ça plus tard. Bon, c'est pas grave. Alors, petit casque, donc, qui était fourni donc dans les cadeaux pour les abonnés. J'étais en train de chercher mes mots. Et puis, alors ça, par contre, j'ai pas réussi, mais on a un petit sac de voyage avec le filet qui doit venir ici s'agripper à l'arrière, là, comme ça. J'ai pas encore bien trouvé le système. Normalement, c'est censé après venir s'accrocher un peu comme ça. Le sac, bof. Par contre, la petite couverture, ouais, je trouve ça vachement bien. Donc, j'essaierai de la mettre. Donc, le petit casque pour les abonnés que je trouve magnifique. Et qui complète vraiment cette collection, puisqu'il est vraiment à l'échelle. Hein. Il rend très très bien. Ouais. Alors, hop, on va revenir comme ça. Quoi penser de cette collection? Franchement, alors, j'ai aucun partenariat, donc je parle vraiment librement. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette maquette. Autant la façon qu'ils ont amené à construire cette maquette, qui est très très bien pensée, puisque rappelez-vous, on a commencé avec la première pièce, c'était ce réservoir qui lançait un peu le ton de la taille de l'engin final. Mais ensuite, on est parti sur la roue et on est remonté tout doucement, gentiment, pas à pas, sur cette moto. Et comme on peut le voir ici, donc sur cette vidéo, on finit par le siège. Donc pas de pièces à droite, à gauche, en attente. Vous voyez, la dernière pièce qu'on met, c'est le dernier numéro qu'on a. C'est les dernières pièces du numéro. Alors que sur certaines collections, on a le capot au numéro 1 et ce capot va venir le mettre pratiquement à la fin. Donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment très très agréable. L'assemblage de chaque numéro, bon, ça n'a pas été une très très grosse galère. Quelques petites galères, mais bon, c'est rien de trop méchant. Le seul truc que je dirais à la rigueur, c'est les fameux câbles d'urite et tout ça. Ça tient pas et franchement, j'en ai enlevé puisque impossible de retrouver où ils allaient se raccorder. Très très bien détaillé. Regardez le petit marchepied là, rétractable. Les petites sacoches. Ah oui, bah, il aurait peut-être l'allumé quand même. Hop, alors est-ce que j'ai mis des piles? Oui, j'ai mis des piles, mais est-ce que... Voilà, j'ai peut-être mis sur off. Le petit son qui va bien. Et puis, hop, si on appuie ici, le petit klaxon. Bon, c'est un petit détail, hein. c'est pas le genre de truc qu'on va s'amuser à utiliser toutes les 5 minutes, mais bon. Donc, hop, à l'arrière, ça se verra pas trop, je pense. Mais bon, voilà. Les feux qui s'allument, donc j'appuie sur la pédale. Hop. Pédale de frein. Ça s'allume un petit peu plus fort. Sur la poignée aussi, donc, pareil. Ça s'allume un peu plus fort. Je vais revenir sur cette poignée
donc poignée amovible, enfin fonctionnelle, je veux dire plutôt fonctionnelle, et qui fait marcher le frein, ainsi que la pédale qui est ici, deux freins, pareil, qui fait marcher notre frein. On a à l'avant donc notre feu. Hop, si je le mettais comme ça, voilà, ça serait mieux. Hop, et puis donc sur le guidon, on a le petit klaxon. C'est sympa. Voilà, bon, c'est des petits détails, hein, voilà. Ça fait toujours plaisir de faire des petits trucs comme ça. Alors ensuite, les points négatifs, franchement, je vois pas trop, puisque allez, on va trouver des points négatifs histoire de dire quand même ce que je regrette sur cette collection, c'est toute cette partie là, voilà, donc des deux côtés. C'est du plastique, malheureusement c'est du plastique. J'aurais aimé avoir du métal, comme les tuyaux d'échappement là, les avoir en métal, ça aurait été vraiment top. On a toute notre carrosserie qui est métal, sauf les sacoches et tout ça, mais ouais, c'est quand même dommage de pas avoir du métal là-dessus. Voilà, bon. Ce serait, on va dire, les points négatifs. Ouais, franchement, les points négatifs avec ces durites là qui partent dans tous les sens et qui ne tiennent pas, et résultat des courses, on sait même plus où elles allaient. Voilà. Point positif, elle est magnifique. Elle est terminée, je l'ai sous les yeux là et je la trouve vraiment magnifique. Ouais. Première moto que je fais en collection et franchement, ouais. Je la trouve vraiment superbe. Voilà. Dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette collection, de cette moto. Vos ressentis, j'aimerais vraiment savoir. Et qu'on partage ça ensemble, même sur le groupe Facebook, hein, du montage de Torcan, ce serait assez sympa, même de voir les vôtres en photo. Et voilà. Bon, je vous garantis rien, mais je vais essayer de tenter une petite présentation quelque part. Là où la vidéo finale aura dû se tourner, je vais voir. Je vais voir s'ils sont disponibles cette fois-ci. Et puis, on se fera, si c'est possible, on se fera ça très prochainement. Voilà, donc, fin de cette collection qui m'a donné énormément de plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à faire cette maquette. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.